Vous le savez, on a pu appeler âge baroque cet âge de crise de la culture, de pessimisme aussi, au tournant du 16e et du 17e siècle, où l'éros a pu sembler s'enflammer, s'exacerber, tout aussi bien l'éros mystique d'ailleurs, période, période un peu faustienne où s'exacerbe aussi la curiosité, cette euh, convoitise, cette concupiscence augustinienne, curiosité qui a pu s'exprimer à travers ce grand lieu commun du livre du monde, du grand livre du monde. Dans son livre des essais, voici ce que dit Montaigne. Ce grand monde, c'est le miroir où il nous faut nous regarder pour nous connaître de bons biais. En somme, je veux que ce soit le livre de mon écolier. Tant d'humeurs, de sectes, de jugements, d'opinions, de lois et de coutumes nous apprennent à juger sainement des nôtres et apprennent notre jugement à reconnaître son imperfection et sa naturelle faiblesse, ce qui n'est pas un léger apprentissage. Je voudrais vous inviter peut-être à voir ce que notre époque peut avoir de baroque. On dirait que bien souvent les amoureux des livres, et c'était le cas au combien de Montaigne, sont aussi ceux qui s'en méfient le plus. Jette mon livre, va étudier dans le grand livre du monde. Étudier dans le grand livre du monde consiste, nous dit-on, à acquérir de l'expérience, de l'expériment, pour parler comme Ignace de Loyola à la même époque. Le rythme lent de la lecture dans la paix de la bibliothèque fait place alors à la vivacité des échanges, des actions, des heurts, des frottements, des mélanges, des tensions et des détentes brusques, soudaines comme si dans le bruissement des pages du grand livre du monde, je m'exposais à l'existence éprouvante de pensées, de passions, de paroles, de gestes qui me déroutent, mais dont je sens pourtant qu'ils sont censés. En feuilletant les pages de ce grand livre du monde, j'éprouve sans cesse caractère, comme on dit, au contact de volontés autres, différentes, exigeantes, hostiles parfois, nouvelles, toujours. Descartes, peu de temps après Montaigne, pourra dire que, se résolvant à n'entrevoir d'autres sciences que dans le livre du monde, il décida alors de voyager. Cette phrase célèbre dans le discours de la méthode. Je décidais alors de voyager. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de voix peuvent s'élever pour nous affirmer qu'à l'heure des grands vols intercontinentaux, à l'heure du triomphe du mainstream, à l'heure de l'internet, à l'heure de la mondialisation de tous les échanges, de l'extension indéfinie du marché, ce voyage de Descartes ne semble plus guère possible, le grand tour ne semble plus guère possible, que les effets d'une mondialisation de la culture, des modes de vie et des opinions publiques, pour reprendre un des grands lieux communs de notre époque, paraissent comme froisser les feuillets de ce grand livre du monde pour le réduire à la page. Indéfiniment ressassé d'un même chapitre, on peut se plaire à imaginer ce que le grand Borgès aurait pu écrire de cette culture mondialisée. Et bien pourtant, c'est à cet instant, qui est le nôtre, qu'il nous faut réapprendre l'étrangeté du monde, redécouvrir l'opacité des signes, des hiéroglyphes qui hantissent la trame. Revenir peut-être à ce qu'il y a en lui d'incalculable et d'infiniment désirable. Ce grand livre du monde est un peu aussi un palimpseste. Vous savez, ces manuscrits, ces parchemins que l'on regrette. On croyait en avoir épuisé le sens, blasé que nous sommes, et voilà que par la merveille d'une épiphanie, d'un expériment nouveau se dévoile sous les apparences un monde secret qui était là, comme l'image dans le tapis, sans que nous y prenions garde. La trivialité des couches superficielles, des écritures superficielles nous voilait peut-être l'épaisseur vitale de ces mondes possibles toujours offerts. C'est une affaire D'intervalle, nous disait Olivier Abel, une affaire de fil, d'entrecroisement, de jeux, de tissus, de textes. Il y faut peut-être une langue nouvelle pour déchiffrer ce nouveau grand livre du monde, un nouveau choc des mots que notre post-modernité et ses bricolages, ses métissages, ses rencontres improbables, ces cultures émergentes, ces reprises, ces revivals, ces porosités entre milieux sociaux, ces effets de transculturalité, tout cela permet peut-être l'émergence de quelque chose de neuf, cette nouvelle langue qui peut nous rendre à nouveau désirable, le grand livre du monde. Si apparemment les décors des espaces marchands, des hôtels internationaux, des aéroports, toujours les mêmes, nous masquent la fragilité ténue du neuf, il nous appartient pourtant de ne pas abdiquer devant ce labeur, car c'est un labeur, cette tâche infinie, herméneutique de déchiffrement ce décryptage à frais nouveaux du grand livre du monde, tant je pense que ce topos baroque semble avoir été fait pour nous. Alors bien sûr, dans le jeu et le tissu des rencontres, dans cette ouverture, cette liberté vertigineuse que nous permet l'époque qu'il nous est donné de vivre, je m'expose, je m'expose dans mon essentielle pauvreté. Ce vertige, vertige de la rencontre, vertige du possible, vertige d'une épiphanie, d'un nouveau sens, n'est pas hubris, n'est pas orgueil de la démesure, mais au contraire, sobre ébriété, comme le disaient les mystiques médiévaux, sobre-ébriété de l'accès à un sens nouveau. Bien sûr, nous entendons toujours devant cette possibilité qui s'offre à nous de découvrir toujours plus, de voyager toujours plus. Nous entendons cette petite voix qui nous susurre à l'oreille tous ces royaumes je te les donnerai si tu te prosternes devant moi. La deuxième tentation se révèle ainsi, me semble-t-il, le fond de tristesse, inséparable du besoin de possession, de captation, de jouir de mon pouvoir sur les autres, de conquérir. Le lecteur avisé du grand livre du monde doit être un lecteur éveillé, un lecteur léger. Il doit être un ascète pour résister à cette tentation, à cette hubris, de se réapproprier le monde d'une manière incorrecte. Un ascète délesté des mauvaises graisses, du besoin de conquérir, de consommer. Ce nouveau lecteur du grand livre du monde n'est pas un prédateur. Tout lui appartient, mais il ne possède presque rien. Il est berlinois, pour reprendre l'expression célèbre, il est lui aussi juif allemand, il est tibétain c'est aussi pour lui que se lève le soleil sur les temples du cambodge ou des empires d'amérique centrale c'est pour lui que les trésors de l'art et de la musique se donnent se découvrent c'est pour lui que les glaces des pôles tiennent bon lui aussi il est hindou il est chaman le musulman ne lui est plus étranger le juif et le chrétien conversent en lui il sait, ce lecteur du grand livre du monde, que dans la convergence et la rencontre des cultures et des peuples, rien ne doit être perdu. Dans cette grande peur du nivellement, de l'amnésie, de la disparition, rien ne doit être perdu. Tout est à sauver. Car tout est à vous, dit Saint Paul. Tout est à vous. Mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Alors, on peut formuler le vœu que le livre du monde et les livres, où vient se condenser la mémoire des hommes, ne s'opposeront plus. Le lesemeister, comme on dit en allemand, le maître à lire, et le lebemeister, le maître à vivre, ne connaîtront plus cette opposition insurmontable et artificielle. Le sens du grand livre du monde se déchiffre patiemment dans les livres de nos bibliothèques, mais le sens des livres se donnera aussi toujours plus à déchiffrer dans celui du grand livre du monde. Et c'est dans cet entre-là des livres et du grand livre que, comme le disait Montaigne, nous nous verrons du bon biais. Nous nous verrons tels que nous sommes avec notre imperfection et notre naturelle faiblesse, ce qui n'est pas un léger apprentissage.